little electronic invention I want you to see. It looks something like you. Bonjour à tous, aujourd'hui, essai de la Ducati Multistrada 1260S version Grand Tour. Alors rien de fondamentalement nouveau, hein, à part une peinture spécifique, qui est très jolie d'ailleurs, hein, vous voyez, un gris qui lui va très bien, associé au rouge du cadre, c'est vraiment très chouette. Une sellerie spécifique également, des valises, des feux additionnels, et puis la béquille centrale, qui malheureusement n'est pas très facile à utiliser, hein, c'est pas évident de la mettre sur la centrale, il suffit qu'il y ait un petit défaut dans le terrain et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc voilà en gros les éléments principaux de cette série. On peut citer également le capteur de pression des pneus et puis 2-3 broutilles électroniques et les poignées chauffantes. Ça par contre c'est un vrai bon point. En plus associé comme vous voyez au pare-main, ça permet de voyager l'hiver de façon beaucoup plus confortable. Bon, sinon on retrouve évidemment toutes les spécificités du modèle. Savoir un cadre treillis tubulaire acier associé à 2 platines aluminium pour la partie arrière, des suspensions Zax de très haute qualité et contrôlées par électronique, entièrement réglable évidemment donc via l'écran TFT, on y reviendra. Fourche de 48 mm à l'avant, 170 mm de débattement, idem pour l'arrière, mono amortisseur, couplé à un super bras oscillant, un monobras, donc ça permet de dégager la roue de côté droit, c'est très joli. Comme tout le reste de la machine, c'est très très bien fini, comme d'habitude chez Ducati. Ces versions-là, que ce soit le moteur, toutes les pièces métalliques ou même l'accastillage plastique, c'est très très chouette. Il n'y a pas de défaut d'ajustement, vraiment une très belle machine. J'adore aussi la partie arrière avec les poignées passagers, toute une pièce aluminium, là c'est un petit porte-paquet, on peut choisir de s'accrocher là ou là sur les côtés, c'est vraiment pas mal. Donc après, évidemment sur cette machine, c'est beaucoup d'électronique. Alors tout d'abord, il y a une centrale inertielle, hein, comme sur la plupart des modèles maintenant, qui va régir en fait toutes les assistances disponibles, et il y en a beaucoup. Alors on a également donc une poignée d'accélération ride-by-wire, hein, qui permet donc d'interagir comme il faut avec la centrale inertielle pour avoir 4 modes de pilotage, ou de 4 cartographies, on va dire, mais c'est pas seulement des cartographies, puisque ça va régir à la fois les assistances, mais aussi le comportement des suspensions, tout est lié. Et chaque mode urban, enduro, touring ou sport, va donc avoir ses assistances avec des niveaux dédiés. Et on peut en plus les paramétrer pour chacun de ces modes. Donc vraiment, vous pouvez personnaliser votre machine comme vous le souhaitez, que ce soit pour le quick shifter up and down qui est intégré à cette machine, ou pour le contrôle de traction avec 8 niveaux de variables, l'ABS sur 3 niveaux, ou le contrôle de wheeling également, donc là aussi sur 6 niveaux. Énormément de choses. Le frein moteur aussi, ça c'est très très appréciable. Donc là, le niveau de frein moteur que vous voulez avoir. Donc c'est vraiment une électronique pléthorique et qui aide vraiment beaucoup à mettre toute la mécanique et toute l'électronique en valeur aussi parce que ça réagit très très bien et ça optimise vraiment le fonctionnement de la machine, on y reviendra tout à l'heure. Autre bon point sur cette Ducati Multistrada 1200S Grand Tour, ça va être la protection avec notamment une bulle réglable. Donc il y a des positions intermédiaires mais bas et haut, hein, généralement ça coulisse sur 50 mm et c'est très efficace. J'ai remarqué que la protection était vraiment bonne, il n'y a guère que les coudes qui restent un petit peu dans le flux, la largeur d'épaule éventuellement suivant votre taille, mais globalement ça fait vraiment bien le job. Enfin voilà, évidemment tout ça ça repose sur le point principal, c'est le moteur. Alors on retrouve le bicylindre de 1262 cm3 avec toujours le système DVT, donc de calage variable des soupapes, pour avoir à la fois beaucoup de coupe à bas régime et beaucoup de puissance à haut régime. Ça donne aussi pas mal d'agréments en ville. Ce moteur, il délivre toujours 158 chevaux à 9750 tours et 130 Nm de couple à 7500 tours. Avec des courbes qui se croisent idéalement, on a une mécanique qui est très expressive. D'un point de vue ergonomique, c'est là qu'à mon avis, il y a le plus à dire, et pas forcément le mieux. Alors étonnamment, cette machine, bon là je suis sur la centrale, mais une fois qu'on la met en marche sur ces deux roues,
on se rend compte quand même quand on fait 1m84 comme moi, bah on a les jambes pliées au sol et c'est assez inhabituel. La selle est très creusée et en fait on a du mal à, même si on a un peu de recul, on a du mal à rester en arrière. On est sans arrêt un peu projeté sur l'avant, vers le réservoir qui est assez haut. Donc en fait on se sent un petit peu incrusté dans la Ducati et c'est pas forcément très agréable quand on est grand. Un pilote un peu moins grand, d'1m70-75 par exemple, bah, il va se trouver plus à l'aise en fait au guidon parce que bah, il n'aura pas cette impression d'être intégré complètement dans la machine. Il se sentira mieux, il aura d'ailleurs pas mal de facilité au sol, hein. Il se sentira pas trop perdu pour atteindre le bitume. Donc ça c'est à voir et à mon avis ce qui est important c'est si vous en faites la commande, de tester avec une selle haute, parce que vous avez une position en selle haute et position en selle basse. Là, on a 845 mm par défaut. Vous avez 20 mm de moins en selle basse, 20 mm de plus en selle haute, et ça peut faire la différence. Donc voilà, pour le pilote, c'est une sensation qui est perfectible, on va dire. Même si c'est surtout à la longue, en fait, la sellerie qui va s'avérer un peu dure. Donc au bout de 200 km, ça commence à se faire sentir. Idem pour le passager. Ça a l'air comme ça bien accueillant, mais au bout de 200 km, ça reste assez ferme. Bon, c'est le style sportif hein, à la Ducati, donc c'est assez logique, même si on aurait préféré un petit peu de confort pour cette routière, puisque finalement c'est le segment de cette Ducati Multistrada 1260S. Alors tout de suite, mes premières impressions au guidon sur cette Ducati. Alors aux commandes de cette Ducati Multistrada 1260S version Grand Tour, et bien la première chose qu'on remarque en ville, c'est que le moteur est quand même moyennement souple. Ça reste un bicylindre sportif, et même si ça a bien progressé à bas régime, on est quand même aux allures usuelles en ville, obligé de remettre en seconde. Hein. Parce qu'en troisième, ça commence à tabasser un peu. Mais là, je suis à 40 à l'heure, si je passe, hein, ça commence à vibrer, ça fait vibrer l'écran TFT. C'est mieux, mais ça reste encore un gros bicylindre qui préfère marcher dans les tours. Et donc c'est pareil, l'agrément en zone urbaine, ben ça va être, ça va pas être le meilleur côté de cette machine. Comme je vous le disais tout à l'heure, pas mal incrusté à son guidon derrière le réservoir sur une selle qui est vachement creusée. Donc c'est un peu particulier. Alors sinon, il y a un excellent rayon de braquage. Et évidemment, la partie cycle est très saine. Il y a un très bon équilibre également. Même si quand on se met debout sur l'air post-pied, on sent que ça ne va pas être son truc. Hein, déjà là, on sait qu'on n'ira pas en off-road. Mais par contre, elle est remarquablement bien équilibrée. Et elle est très naturelle à emmener. Après, ça vibre pas mal, évidemment. On est sur un gros twin. Si on voulait quelque chose de très lisse, très souple, il fallait prendre un 4 cylindres. Là, il y a toujours cette vie mécanique qu'on commence déjà à sentir, même aux évolutions entre les murs des villes. Par contre, ce qui est agréable, c'est que avec cette cartographie urbaine, par exemple, on n'est plus qu'à 100 chevaux et ça lisse quand même un petit peu le caractère moteur de la Multistrada. Et c'est pas plus mal, parce que ça limite les à-coups, enfin, par rapport au premier modèle, au modèle même d'il y a, avant, il y a 5 ans. Sans le DVT, hein, ce calage variable des soupapes, c'est quand même remarquablement plus facile à utiliser au quotidien. Là, on ne se sent pas obligé de taper les 80 km/h pour que ce soit vivable. Non, ça reste quand même 60. C'est quand même très vivable. Alors, on va changer de cartographie. Voilà. On va se mettre en touring ou en sport. Et là, on a quelque chose qui est autrement plus balèze. Car c'est sur le réseau secondaire que ça va vraiment se révéler, cette Multistrada, avec une précision de partie cycle habituelle chez le constructeur italien, associée à une mécanique vraiment de feu, truculente. Hein, je vous le dis, cette machine, c'est Cyrano de Bergerac. Hein. Faut pas lui en raconter. Voilà. Si vous l'énervez un peu, elle vous répond du tac au tac. Voilà. Passé les 6000 tours, on a vraiment beaucoup de caractère. Hein, on a les 130 Nm de couple mettent à mal l'enveloppe arrière.
C'est pas rare d'allumer le shift light dans les évolutions. Et puis évidemment, tout ça, ça repose sur une partie cycle très saine, toujours très équilibrée, très performante. Ça se relève à peine sur l'angle quand on prend les freins. Hop, on la cale sur l'angle, ça bouge absolument pas. Même si le train avant reste toujours un peu vif, ça c'est normal chez Ducati. Voilà, hop, le shift light là qui s'allume. Et pour mes petites relances. Hein. Ouais, ça filtre très très bien. Il accède également à un très très bon confort de suspension, d'amortissement au guidon de cette machine. Ce qui fait que pour voyager loin sur de la route, même un petit peu abîmée, ça se fera vraiment sans trop souffrir. Hein. Si les assises sont pas au top d'un point de vue ergonomique, en revanche, les suspensions, elles assurent. Également une excellente capacité de décélération. Les étriers Brembo M50 sont vraiment balèzes et assurent une très bonne progressivité et un excellent contrôle du freinage. Alors, la vie de la passagère, vous voyez, c'est une grande moto, hein, parce que vous me voyez à peine derrière. C'est vrai que je dirais, bon, le duo, il est top comme sur ce genre de machine, de toute façon, des 1200 comme la GT et autres. On est bien en sac de sable. Mais je dirais que la particularité, c'est que c'est vraiment, si vous êtes un grand gabarit, si vous mesurez plus de 1m70, voire 1m80, ça sera vraiment génial pour vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les repose-pieds passagers, notamment, sont très bas, je trouve. Et moi qui fais 1m60, bah, en fait, en gros, je suis comme sur une chaise de bar, entre guillemets. Donc, y a vraiment de la place pour des grandes jambes. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une moto qui, en ville, va demander un petit peu de tolérance, on va dire, puisque bah, ça vibre pas mal quand même. C'est pas très souple. Hein. On a quand même un surcroît de cylindrée, puisque vous vous rappelez, on est passé d'un peu moins de 1200 cm3 à 1262 cm3 il y a un an et demi. On a toujours le DVT également. On a toujours des modes qui sont de plus en plus précis pour la cartographie, notamment le mode urban et enduro qui sont tous les deux limités à 100 chevaux. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça rend la moto beaucoup plus douce en ville. Néanmoins, même s'il y a un très bon rayon de braquage, au quotidien, bah, ça reste un twin de caractère. Cette moto, pour moi, c'est la truculence. C'est un peu le caractère fantasme d'un personnage à la Cyrano. Hein. Il n'y a pas que, d'ailleurs, à cause du nez de cette machine. C'est vraiment toute l'exubérance de cette mécanique qu'on va sans cesse retrouver un petit peu comme ça. C'est haut en couleur, ça a beaucoup de verve. Et finalement, bah, on commence à apprécier la Multistrada 1200S version Grand Tour. Dès qu'on quitte tout ce qui est périurbain, dès qu'on arrive sur route, notamment sur le réseau secondaire, voire sur autoroute, bon, on a une bonne protection, on a le cruise control, donc ça c'est très agréable également. La position reste correcte, le passager sera toujours mieux loti quand même, comme je vous le disais. Par contre, sur le réseau secondaire, là, on va enfin pouvoir retrouver ce qui est cette Ducati, c'est-à-dire toujours un peu sportif, hein, c'est évident. Train avant très précis, toujours un peu vif, mais qui permet d'emmener la machine vraiment avec la précision d'un bon scalpel. Peu d'inertie hein, sur les changements d'angle, ça pareil. Petite poussée sur les guidons, sur les repose-pieds. Là, le seul défaut que je vais encore lui trouver à ce moment-là, c'est que on est vraiment, encore une fois, dans la machine, on est un peu trop plié, presque comme sur une sportive, là où sur un trail, on s'attendrait à être un petit peu plus droit et avoir un peu plus d'aisance en fait et de naturel. Là, on a une position qui est davantage dynamique. Bon, c'est un choix. Ça n'empêche pas de rouler très fort au guidon de cette machine. Parce que les autres points forts de cette mécanique, ça va être le châssis, bien évidemment, et le moteur. Il y a une vie, mais considérable dans ce twin. C'est super appréciable. Dès qu'on passe les 6000 tours, ça patate, mais sur tous les rapports. Alors par contre, là encore, on se rend bien compte que même si le moteur a été travaillé pour avoir un peu plus d'agrément dans les tours, c'est un twin qui aime vivre à haut régime. Et plus vous lui en demandez, et plus il vous en donne. Vous avez énormément de couple, les relances sont hyper efficaces. L'électronique bosse beaucoup, hein. 130 Nm sur l'enveloppe arrière, ça fait beaucoup sur l'angle. On voit bien, ça affiche le shift light assez régulièrement. Mais voilà, c'est fait pour. La moto, c'est comme ça qu'elle aime être emmenée. Je dirais que en tant que routière, ça me paraît quand même très sportif, mais je pense que plus on roule avec, plus on apprécie ce caractère assez enjoué, même s'il reste toujours assez fort.
C'est un choix en fait, ça va être voilà, ceux qui vont sur du chez Ducati s'attendent je pense à ce genre de moto. On est sur un tarif de 22 690 euros, donc c'est vrai qu'on est en droit d'attendre le maximum de cette machine. Seul défaut quand même à ce prix là, la selle non réglable, hein, puisque comme je vous le disais, il faut la commander soit basse soit haute, mais on ne peut pas la régler une fois commandée. Donc ça c'est quand même assez étonnant. Autre point perfectible, les Komodo semi-rétro-éclairés, vous avez trois Komodo qui mettent de la lumière, les autres bah, ils ne le sont pas, c'est quand même un peu mesquin ou étonnant en tout cas. Un tableau de bord assez lisible qui se paramètre un peu dans tous les sens, donc ça a un très bon TFT, là il n'y a aucun souci là-dessus. Une protection somme toute, donc très bien pour une GT. Un tableau général qui est plutôt convaincant, surtout dans cette version très jolie esthétiquement. Hormis donc ce nez qui plaira pas à tout le monde, mais ça voilà, tel est le design. Je pense que pour faire un point rapide avec la concurrence, on va être entre une BMW S1000 XR, donc le trail sportif de BMW, et un twin KTM 1290, puisque là on se rapproche plus dans la motorisation, mais avec moins de même pas de capacité off-road, là où évidemment KTM ferait la différence. Donc voilà, c'est un peu un entre-deux, de luxe, hein, toujours finition et équipement très soigné chez Ducati. Donc voilà pour le test complet de cette Ducati Multistrada 1200S version Grand Tour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Merci.